chers amis téléspectateurs, téléspectatrices de la 54, trop heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Écho des Arts. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir sur la soirée baptisée « Contes et musique » qui a eu lieu à l'Institut français d'Haïti récemment dans le cadre du festival « Quatre chemins ». Mavi Borlamou est le titre de la vidéo lancée par B-Way. Il était présent à Télé-Pacifique pour nous la présenter. Nous allons rencontrer Charles-Marc Voltaire, cet artisan qui s'est spécialisé dans le miroir et également dans les mini-bars. Ces points vous seront présentés dans un instant à Écho des Arts. C'est le rendez-vous de la culture et des arts. À partir de 8h30 p.m., Télé-Pacifique, chaîne 54, vous fait vivre l'écho des concerts. Spectacles, théâtre, arts plastiques, littérature, festivals, fêtes et rendez-vous à thème, toute activité de découverte ou de loisir trouve sa place dans ce magazine. Nous sommes de retour après la pause et c'est parti avec le tout premier point, cette sortie d'Écho des Arts. Comme nous l'avons introduit, il y a eu à l'Institut français d'Haïti cette soirée baptisée Contes et musique. Jimmy Ducasse et Willy Ludger avaient fait le déplacement. Ils ont rencontré pour nous Joseph Derilan Fils qui revient sur cette soirée. Nous avons la 14e édition Festival Théâtre 4 Chemins qui symbolisait lieu de rencontre et justement à Soya, nous. Et j'ai un privilège pour nous assister à trois conteurs qui ont puisé dans l'histoire différente et qui ont mis sur scène pour rencontrer et pour participer avec le public. Moi-même, ça fait 4 ans, depuis que, non, 3 ans, depuis que je compte. C'est grâce à Foudizé, théâtre qui t'a offert une formation avec un Martinique qui est venu ici, qui t'a fait formation. Et puis, moi, j'ai déjà développé aptitude pour me venir compter, mais avec plus de conseils et, je me dis, ça, atelier ça, qui fait que je viens en compter, je me dis, professionnel. Et performance là, nous, je me dis, en tant que tout spectacle, nous préparer, nous répéter, et soit regarder bien, ou après, ensemble de jeux d'ensemble qui gagnent dans la soirée ça que nous faisons. Et c'est une initiative que Fou disait lui-même, puisque c'est lui qui t'a invité d'honneur dans la 14e édition Festival 4 Chemins. Donc, il a fait un festival contre un bâtonnel, donc c'était normal pour offrir au public là une soirée de compte. Et c'est ça que il a offert nous à ce soir-là et que moi-même j'ai participé dans faire soirée ça à Pibel. Gelson Hermosa est l'un des acteurs à s'être produit lors de cette soirée. Tout en saluant l'initiative, il en a profité pour souligner l'importance de ces genres de soirées. Auparavant, il était difficile pour te penser à une soirée contre Port-au-Prince. Je me dis auparavant, il y a 8 à 9 ans de cela. Et bien que tu aies gagné Paul Lapéan, que tu as toujours fait contre, tu as gagné Coraline, que tu as toujours fait contre, tu as gagné Mimi Barthélemy, que tu as toujours fait contre, bien que c'est et Mimi Barthélemy. C'était plus sous la France, c'est pas en Haïti. Mais ça n'a pas empêché que contre l'unité retenait dans le souvenir, mon yo, bien que tu n'as jamais pratiqué. Mais dès que on dit on soirée contre, c'est comme si c'est remonter le temps. Ça fait au monde, même là où tu es grand monde, même là où tu es jeune, tout dans 27-28 ans, c'est comme si c'est retourné à enfance. Et à chaque fois qu'il y a un petit moment, ça y est, c'est vrai, il y a réticent, mais depuis qu'il y a un petit moment, ça y est, j'ai une ambiance, c'est sûr que je viens participer. Parce que pour qui ça, jusqu'à présent, pas gain, bon, pour le monde qui n'a l'âge moins, à chaque fois que vous entendez une musique qui ne passe pas, ça fait plaisir. À chaque fois que vous entendez une musique originale, rap staff, ou vous entendez un Master G, un Anti de Rose, ça fait plaisir. Ça fait, c'est comme si vous remontez le temps. Et là, nous sommes petits, nous sommes contents des contes et parents nous, nous sommes racontés nous. Et même pour journée aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de chance pour raconter au contes.
et la nuit, mais dans le livre, il y a un compte. C'est-à-dire que si vous lisez l'histoire quand même, même là, il n'y a pas participé dans un spectacle. Compte, mais au moins, l'histoire, il y a joué dans le livre là. Là, il y a venu dans un spectacle, il y a joué un conteur qui fait spectacle avec, qui embellit le plus, qui mettait chant, qui mettait tambour, qui mettait jeu, et parfois, compte pour jouer, pour mettre sur scène. En fait, compte est obligé de ballon dimension spectaculaire. Ça qui finit fait, et compte là, il y a une spectacle, il y a l'autre dimension qui va être moun qui a regardé là, plus intérêt toujours pour lui entrer et partir dans merveilleux. Et c'est sûr que moun yo pour assouer, par exemple, spectacle là, c'était 7 heures, mais depuis 6 heures, et tu es en chargé moun, ça veut dire, compte là, journée aujourd'hui, moun yo a intérêt, quitte en province, quitte dans Port-au-Prince pour y entendre. Autre point à cette sortie d'Écho des Arts, le chanteur Beatway vient de sortir la vidéo de Mavi Bauer Lamou. Il était présent à Télé-Pacifique au micro de Jimmy Ducasse et de Whitley Luger. Mavi Bauer Lamou, oui Mavi Bauer Lamou, Mavi Bauer Lamou, pas vle ou tromper, m'y en jouer. Dis-moi si ou pas tromper, dis-moi baby si ou pas tromper, moi. Son musique, bien avant, pendant dernièrement, ça a gagné en 3 semaines et puis m'dale un chemin avec maman et puis pendant la calan et puis chaque soir un club qui toujours a passé musique là m'attendre de loin et puis m'a réfléchi chaque temps m'attendre la passer et puis gagne des séries de mots qui viennent dans idée et puis me dit que m'va le refaire vienne réaliser que majorité artistes qui fait hit dernier 5 à 6 mois là c'est des séries de musique qui reproduit on est à la musique. Bon lancer premier carrière solo avec musique ça et puis me prend musique là m'entendais et puis pendant m'entendais et puis me tout écrit et puis le temps que me retourner ici là carrément et puis me réfléchir et puis me parler avec Breaker Beats me saluer monsieur et puis monsieur dit un problème dans planifier pour faire et puis monter dans studio me faire c'est premier projet solo même capable dit tout il y a plus jeune beat way dans que ça dans afro et les mêmes pas le plus utiliser pour carrière. Je pas pleurer mieux vagabond encore. 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 Yeah, je fais modifier tout bas internet là. Juste mettre au sous nom Beatway pour mon capable jeune mais plus facile. Beatway là c'est BEET-WAY. Beatway là, de vous taper Beatway sur n'importe réseau, ou abjoinement, sur n'importe Facebook, Instagram, Twitter, de vous taper Beatway ou abjoinement. Après ça, contactez-moi, c'est 36 13 61 77. Nous allons retrouver Galens Gédéus, la rubrique Atizan, où cette dernière rencontre pour nous Charles Marc Voltaire. Bonsoir tout le monde. Dans la rubrique Artisan Jodia, nous allons visiter l'atelier Charles Marc Voltaire, un artiste peintre qui est tout ingénieur informaticien. Un artiste qui vient en pile passion pour l'art, Voltaire passe 12 années à bailler la population en service dans le domaine technologie. Mais l'amour li depuis le petit pour dessin, encouragement zami ak fami pour s'il entrer dans peinture à création quelques pièces artisanales. Voltaire, c'est non. Pour le moment, Voltaire c'est un artiste. Mais avant Voltaire était un artiste, Voltaire était un ingénieur en informatique. Okay? Après 12 ans que je suis service dans le domaine technologique, je travaille pour plusieurs compagnies, tout ça. Et puis, j'ai un contrat avec une compagnie étrangère, qui était le UTIS.com. Après le contrat, je suis tellement senti confortable dans le travail. Je me dis bon, après le contrat, je suis pas fait femme. Et puis de là, j'ai un encouragement de toi, un cousin avec un ami, qui dit, ah, de vous pitié, vous pouvez faire dessin. Pour qu'il ne soit pas là, qu'on a. Non, là. Il m'a dit, ok. Je peux te un canvas pour moi avec deux tubes peintures. Et puis de là, je commence. Et puis bon, le contrat a été là, et puis le contrat avait fini, je mettais ma foi. Non, ça m'a fait. Hein. Et puis bon, je suis un artiste connu, je suis un professionnel. Pour ça qui est peinture. Et moi, j'ai commencé peinture en 2007.
Mais pour ça qui dessin, moi par contre, j'aime commencer parce que j'aime tout fait qu'on dessine. Et j'aime pitié, me lever, tout qu'on aime qu'on dessine, je ne sais pas qui, à qui l'âge, tout ça. Voltaire fait divers portraits avec pièces en bois. Parce que d'après lui, ça a une pile importance là où fait un monde cadeau un produit qui a duré. Tant que un tableau, un encadrement ou bien un mini bar. Je fais un peu de tableau, tout. Je fais un peu de tableau historique que je pas là parce que je toujours voyagé avec vous. En plus, je quitte à l'étranger de préférence parce que souvent je fais exposition avec vous à l'étranger. Tableau historique. Mais l'homme ici, à force que le monde me fait portrait, des fois il empêche que je fais l'autre travail. Même toujours accompagner le travail et tableau avec les pièces que je fais, qui c'est miroir. Parce que là, on fait un des fois, pour les gens qui n'ont pas de moyens, ils ont besoin d'un qui est utile. C'est-à-dire, le ballon en miroir encadré, le miroir là non seulement il fait beauté la caille, et puis lui utile. Je vais en bas, c'est pour ça que nous là, côté que il a mis des bouteilles, verre, tout ça, qui sont belles, qui sont décor et puis qui est utile. Et c'est dans ce sens que je viens de dire, il faut me faire un qui est utile. Il y a un artiste qui a fait portrait le plus souvent. Il y a un portrait pour faire. Il y a soit mon achita devant, ou du moins il y a une partie de photo. Moi-même, c'est à partir de photo que je fais le plus. Parce que je suis un qui a tout le temps sa achita devant pour moi peindre. Mais avant, on fait un crayonnel d'abord pour aller très haut pour pouvoir se faire. Et puis, là, on toujours un monde et pour commencer à voir les couleurs sur lui. Pas de secret dans la couleur Voltaire déposé sur l'article, surtout encadrement miroir. C'est un mélange peinture métallique et acrylique, toute l'autre peinture conservée qui vient de résultat noué. Chaque pièce Voltaire est unique. J'en ai récupéré matériel pour le travail, tant que bois fait pas de possibilité pour yon sembler à l'autre, même si c'est un seul produit. L'autre fait récupération, ça m'a dit. C'est utiliser peinture métallique pour faire. C'est-à-dire que moi-même, je mixe ces peintures métalliques avec acrylique, selon la couleur que j'ai besoin. Mais ce n'est pas rien qui de magique, c'est juste. C'est même peinture que je vais utiliser des fois, c'est le dosage qui est important là-dedans. Pour ne pas sembler. Donc moi, je ne pas considérer. Je ne considère des fois dit artisanal. Moi, je ne pas considérer ces pièces artisanales. L'homme dit artisanat, n'a pas les deux. De répétition dans la même pièce. Côté mon moule, je ça produit la même pièce. Là. Mais moi, je me regarde là, si je viens 20 pièces là, je vais une qui semble à l'autre. Je me dis ça c'est miroir, mais c'est deux miroirs différents. Parce que comment il fait arriver comme ça, c'est parce que le m'a pas acheté, le mal derrière bois. Sinon, atelier mal plein, bois tout différent. Pas de moyen pour me faire même morceau de bois. Parce que c'est bois qui est cassé, retaille bois que moi utilise pour ça. Pas de moyens pour moi de deux qui même genre. Ça n'a fait lieu de récupération. C'est-à-dire que c'est tout ça que je me suis regardé moi comment je peux ajuster la pièce. Je comprends selon la forme que j'ai, je me dis ok, c'est une forme ça, mais que je m'en peux attacher. C'est-à-dire que c'est ça. Oui, c'est l'imagination. C'est-à-dire des fois, l'homme qui a un petit homme, qui a un deux, qui a un petit club, qui a un petit dessin. Comme si l'homme a un petit dessin, il permet d'aller plus vite. Mais des fois, je vais essayer de faire ce travail là comme ça. Je ne fais pas avec bois que m'acheter. C'est bois que moi je vais dans l'atelier. C'est-à-dire que là, je vais bois dans l'atelier, je marche sur les casser n'importe comment. Et je dis qu'on y a là, est-ce que si je casse un bois, je vais casser pour le casser le même genre avec l'autre là. Parce que ça fait souvent, je ne pas scier bois. Des fois, je casse. Pour que tout le monde ait une forme quelconque. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça qui vient de faire le difficile pour recopier une pièce. Il participait à une pile exposition à la fois artisanale dans le pays d'Haïti et plusieurs autres dans le pays étranger. Satisfaction, c'est l'originalité pièce liée à la satisfaction consommataire. Haïti, je peux participer à une fois à faire, mais pas exposition vraiment. Vous comprenez? Parce que je fais exposition à Haïti, je fais deux expositions dans l'Institut haïtien. Je participe dans tout ça. Depuis que je fais un bagage, je invite les gens. La satisfaction, c'est l'authenticité de la pièce. Comme si l'un de monde a une pièce. C'est-à-dire que si je fais un cadeau de pièce, on peut dire bon, ça, sous terre, là, c'est moi seul qui gagne. Parce que je n'ai pas de moyens pour l'autre qui m'aime.
C'était un plaisir pour nous visiter avec vous, Atelier Charles Mac Voltaire, un artiste qui prend plaisir de faire bel portrait avec pièces dans le monde artisanal là, dans le pays d'Haïti. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette sortie d'Écho des Arts. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine sortie d'Écho des Arts. Mais d'ici là, bonne suite de programmation sur la télé Pacifique.